L'équipe Modal conçoit des modèles génératifs traitant de données complexes à plusieurs variables et ou hétérogènes. Pascal Germain est chercheur. Il présente la plateforme MASIC qui permet de télécharger des données et de choisir parmi une gamme d'outils d'analyse pour extraire des informations utiles. On présente un service web qui s'appelle MASIC, donc, qui est un service web dont le but est de permettre à tous d'expérimenter les algorithmes que l'on développe dans notre groupe de recherche pour faire de l'apprentissage et de l'analyse de données. Donc c'est vraiment pour faire le pont entre les sorties de notre groupe de recherche et les utilisateurs, dont l'industrie. En fait, c'est des algorithmes d'analyse de données qu'on appelle non supervisés pour la plupart. Donc, ça permet à l'utilisateur de télécharger ses données sur le site web et les algorithmes font l'analyse pour essentiellement regrouper les données en ce qu'on appelle des clusters, en groupes, pour être capable de déterminer les caractéristiques principales de chaque groupe, en fait. Et donc, de mieux pouvoir à la fois détecter des données aberrantes que des données types. En fait, MASIC est un système assez général qui peut s'appliquer à beaucoup de types de données, qui peut intéresser aussi beaucoup de types d'industries, du moment que l'industrie collecte des données. Par exemple, pour les applications en mobilité, de plus en plus, les systèmes de transport sont dotés de capteurs qui collectent une foule de données en temps réel. Et donc, ces données-là arrivent sous un format brut qui sont difficiles à analyser au premier coup d'œil. Donc, en envoyant ces données-là à notre système, on peut faire un traitement des données et ensuite présenter un rapport à l'utilisateur qui permettra d'y voir plus clair, en fait.